Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alléluia. Avec les paroles du psaume 68, psaume pour ce 16e dimanche après la Trinité, nous prions. Béni soit le Seigneur chaque jour. Jour après jour, Dieu nous comble de ses bienfaits. Notre Dieu est pour nous un Dieu des délivrances. Au Seigneur Dieu appartiennent les portes de la mort. Redoutable est Dieu dans son temple saint. Amen. Que la grâce et la paix, frères et sœurs, soient avec vous tous. Le Seigneur nous accueille en ce dimanche pour nous dire une chose très simple d'apparence. La vraie vie, c'est moi. C'est simple, mais je vous préviens, c'est long à comprendre. Et comme nous sommes tous sur ce chemin, tous pareillement engagés et hésitants, nous sommes très heureux que ce matin, il y a deux catéchumènes qui feront pour nous un point de route. Antonin et Célestin feront leur confirmation en nous disant où ils en sont et d'où ils parlent. Soyez les bienvenus. Je salue en particulier aussi toute la famille Ridon, tous les amis et celles et ceux qui célèbrent ce culte avec nous à distance devant leur écran. Nous allons célébrer la liturgie du repas du Seigneur selon la liturgie de l'Église de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Levons-nous à présent pour entrer dans cette célébration en chantant l'appel au Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, Dieu créateur. Nous chantons les quatre strophes du cantique affiché. Saint-Esprit, Dieu créateur, maître en tout homme, nous vos cœurs. Tu veux de nous si différents, former un seul peuple saint. Viens, Saint-Esprit, consolateur. Souvenez-vous, lorsque dans l'Évangile, les femmes arrivent au tombeau de Jésus, elles ont peur, elles s'interrogent « Qui nous roulera la pierre ?» Et quand elles arrivent, elles sont toutes bouleversées. Le tombeau est ouvert, la pierre a été roulée. Ensemble, présentons-nous devant Dieu tels que nous sommes avec ceux qui nous séparent de lui et nous séparent les uns des autres.
Seigneur notre Dieu, en nous demeurent des pierres trop lourdes à rouler, des pierres de nos tombeaux, pierres de rancune, pierres d'orgueil, de convoitise, pierres d'incrédulité. Elles ferment le tombeau de nos blessures secrètes, les cavernes obscures de nos souffrances cachées. S'il est donc vrai, Seigneur, qu'au matin de Pâques, la pierre a été roulée, viens maintenant ôter la pierre qui ferme mon cœur. Roule la pierre de mes tombeaux, que ta lumière transperce l'obscurité. Accorde-nous la paix, Seigneur, en nos temps de misère. Accueillir l'annonce du pardon de la part de Dieu, je vous invite à vous lever. Oui, frères et sœurs, cette pierre-là et nos pierres en nous, elles ont été roulées, car la vie a vaincu la mort. Le Christ a balayé ce qui nous sépare de lui et nous sépare les uns des autres. La nuit laisse place à l'aurore. Amen. Chantons en restant debout notre communion en prenant les paroles du psaume 133, vers lequel nous reviendrons, vous allez voir tout à l'heure. Thank you.
reprendre place. La confirmation dans la tradition protestante est la réponse personnelle du baptisé à la parole de Dieu prononcée lors du baptême. Ce matin, deux de nos catéchumènes vont donc prendre la parole et vont revenir sur ce qu'ils ont reçu pour confirmer les vœux de Dieu de leur baptême. Ainsi, en souvenir du baptême de chacun d'eux et de chacun de nous, nous allons à présent allumer leur cierge de baptême. Ce sera parrain et marraine pour Antonin et Célestin, et Gabin qui allumera son cierge de baptême pour nous tous. Je vous invite à vous approcher avec les cierges et de les allumer à la menorah. Et bien, c'est le moment, hein. Il n'y a pas à reculer. Alors ne soyez pas inquiets, les cierges, Jean-Pierre et Sandra m'ont prévenu, n'ont pas été maltraités ou autrement, été en difficulté à la menorah. Voilà, tu l'allumes en fait. Mais s'ils sont juste courbés, hein, ça n'enlève rien à leur fonction symbolique. En allumant ces cierges, frères et sœurs, nous nous souvenons que le baptême nous est commun, quelle que soit notre confession chrétienne. Nous nous rappelons que nous sommes à présent un seul corps et un seul esprit, et que par le baptême, nous pouvons mettre notre espérance commune en Jésus-Christ. Dans cette unité imprenable du baptême, nous appartenons à Dieu. Nous sommes unis à lui comme nous sommes unis les uns aux autres, ainsi qu'à la communauté chrétienne de tous les temps et de tous les lieux. Oui, nous aimons Dieu, mais parce qu'il nous a aimés le premier. C'est par cette confiance que nous pouvons recevoir la foi de Dieu. Et je vous invite à revenir. Alors, parrain Marine, vous pouvez reprendre place jusqu'au moment de la confirmation. Il faut peut-être la tourner un tout petit peu parce qu'elle goûte, si vous la tenez comme ça. Voilà, c'est plus simple. Et Gabin va la poser sur la table de communion. C'est très bien. Eh bien, j'invite à présent les confirmants à s'approcher. Restez d'un côté pour l'instant. Cher Antonin, cher Célestin, par le baptême, vous avez été déclaré enfant de Dieu. Par ce baptême que vous avez reçu, Dieu vous a parlé en premier. Aujourd'hui, devant cette communauté réunie au Temple Neuf, petite cellule de l'Église universelle, vous avez souhaité répondre à la parole du baptême en confirmant les vœux de Dieu. Avant de vous donner la parole, nous voulons donc demander à Dieu sa bénédiction afin que vos bouches proclament sa louange. Venez un tout petit peu plus proche, je vais faire le geste de bénédiction. Et nous prions. Père Céleste, tu as veillé sur Antonin et Célestin. Tu t'es fait connaître à eux, à travers les Écritures. Tu les as nourris de ta parole. Tu as fait naître en eux le désir de t'aimer, de te servir. Avec eux, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour les témoins de Jésus-Christ que tu as placés sur leur route jusqu'à ce jour. Accorde-leur ton Saint-Esprit. Fais-les grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Célestin va à présent... Non, tout à l'heure. Et c'est donc Antonin que j'appelle en premier, excuse-moi, avec ton texte. Et donc son parrain ou marraine avec le cierge. C'est le moment.
Tenez-vous là, tenez-vous là. Cher Antonin, tu as reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit le 17 septembre 2006 à Célestat, à l'église protestante. Tu as été instruit dans la foi chrétienne au sein de notre paroisse et à travers les scouts protestants aussi. Aujourd'hui, tu es appelé à confirmer les vœux de Dieu de ton baptême devant cette assemblée. Pour confirmer les vœux de mon baptême, les versets 1 à 3 du psaume 133 me parlent beaucoup. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de son vêtement. On dirait la rosée d'Hermon qui descend sur les collines de Sion, c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. J'entends dans ce texte une convivialité, une fraternité et un soutien à tous les niveaux qui m'ont permis jusqu'à aujourd'hui d'arriver là où j'en suis et d'avoir pu affronter les difficultés de la vie, même si beaucoup m'attendent encore dans mon parcours, que ce soit scolaire ou sportif. Quand je passe du temps avec ma famille, mes amis et que j'y repense, tout comme les camps scouts et les colos aux EEL, c'est à ce moment-là que je me rends compte du bien-être qu'ils me donnent, de la joie qu'ils me transmettent et du bonheur que cela me procure. Je me souviens d'une soirée au Catéscout qui a commencé par une réflexion personnelle et biblique, suivie de délicieuses lasagnes préparées par l'un des jeunes du groupe. Cette formidable soirée ne pouvait se finir par un film minutieusement choisi par Rudy. Le clou du moment aura été de passer la nuit sur place, emmitouflé dans le sac de couchage après quelques bonnes rigolades. Je garde également un bon souvenir du camp sur le bateau, même si nous avons bien galéré à mettre les voiles. Heureusement que Christine était là pour nous remonter le moral et pour reprendre des forces avec ses délicieux pancakes. La soirée au casino, aux EEL, m'a aussi marqué. J'ai appris durant cette soirée à jouer au blackjack, ce dont je n'étais pas peu fier. Ah bah, tant mieux. Et pour finir, je veux dire merci à mes parents qui étaient toujours là quand il le fallait, que ce soit dans les moments les plus durs, comme quand il fallait prendre une décision importante pour moi ou faire un choix dans mon parcours, mais aussi, et bien sûr, dans les moments de plaisir qui me tenaient à cœur lorsqu'il fallait m'emmener aux entraînements et aux matchs de basket. Quel que soit le moment, ils répondaient présents. Je veux dire merci à mes grands-parents, auxquels, dès tout petit, j'ai été régulièrement confié. Ils m'ont beaucoup gâté et pour certains d'entre eux sont partis bien trop tôt. Mamie Christiane et papy Rudy, avec leur grande maison et leur jardin. Papy Michel et enfin mamie Fleur, avec qui j'ai la chance de pouvoir encore passer de bons moments et qui est présente aujourd'hui. Pour conclure, je voulais remercier mes parrains et ma reine qui, lors de mon baptême, se sont engagés à être présents pour moi et à m'accompagner dans ma foi chrétienne. Ces adultes qui ont une place particulière pour moi, qui, lors de nos rencontres et de nos échanges, m'ont aidé à grandir intérieurement. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui et à celles qui, malgré leurs envies, n'ont pas pu venir partager ce moment avec nous. Merci. On peut l'applaudir. Et j'appelle le parent ou la marraine, plutôt, de Célestin, à nous rejoindre. Célestin, tu as reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit le 9 décembre 2007 à Mundolsheim. Tu as été instruit dans la foi chrétienne au sein de notre paroisse et à travers les scouts protestants. À présent, tu es appelé à confirmer ces vœux de Dieu de ton baptême devant cette assemblée. Et j'ai choisi le psaume 121, les versets 1 à 5, car il me parle beaucoup. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. Non, il ne dorme pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. À l'écoute de ce texte,
Je me dis même que même si on est au fond du trou le plus profond du monde, le Seigneur est toujours là pour nous aider, ceci même dans les moments les plus difficiles. Cela me rassure que Dieu soit toujours là, à mes côtés, un soutien sans faille, et qu'il se tienne près de moi de jour comme de nuit. Je me souviens des bonnes années passées au scout. Par exemple, sur le bateau, lorsqu'on se levait le matin et que nous sommes allés mettre les voiles, ou encore à Berlin, où nous avions perdu une coéquipière dans le bus. Mais bon, ce n'était pas la seule chose à retenir. Mais également aux EUL, quand on dormait sous les tentes, même s'il faisait un peu froid, et l'après-midi, on faisait plein d'activités. Puis venait le samedi soir au Catéscout, où on faisait des choses incroyables, passant des bons moments de partage, de joie. On a appris plein de choses sur l'histoire du Temple Neuf. Il est même arrivé qu'un soir, une fois que tout le monde était affamé, que nous ayons commandé un repas sur Internet qui nous a été livré, que nous avons partagé avec tout le groupe. À présent, je veux remercier toutes les personnes qui ont été là depuis que je suis tout petit. D'abord, merci à mes parents et ma reine qui ont été présents pour moi jusqu'à ce jour, et mes tontons et tata qui ont dû me supporter comme tout le monde. Même si je ne sais pas si j'étais particulièrement pénible ou pas étant petit. Puis, il y a mes cousins qui ne sont malheureusement pas tous là. C'est toi, Tristan, qui les représente tous aujourd'hui. J'ai énormément de souvenirs de nos vacances et de nos fêtes de famille, que des moments de bonheur. Parmi mes grands-parents, j'ai bien sûr des bons souvenirs de papy et mamie Dinkwiller. J'étais un peu jeune et ils sont malheureusement partis bien trop tôt. Ma chère et tendre mamie Fleur, comment t'oublier ? À chaque fois qu'on partait de Strasbourg pour aller te voir, j'étais toujours content. Il fallait faire de la route, certes, mais pour vous voir, toi, les cousins, tonton et tata, ça ne me dérangeait pas. Mes chers frères, Gabin, mon cher et tendre Souquette, je suis content que tu sois à Lyon, dans ton appartement. Nous viendrons te voir, t'inquiète pas, mais je pense pas que nous puissions pas tous dormir chez toi. Antonin, nous sommes toujours ensemble, pour cette confirmation par exemple, et pour tout le reste, sauf quelques exceptions. Maintenant, tu es à Valbourg. Je suis content pour toi que tu puisses faire du basket presque tout le temps et que tu te plaises là-bas. Et merci à Rudy Pop, sans lui, tout cela ne serait pas possible. Et pour tout ce que tu m'as appris, j'ai cheminé durant ces années où nous sommes côtoyés. Et bien sûr, mon père et ma mère, je vous remercie tous les deux d'être là depuis presque 14 ans à mes côtés. J'ai plein de souvenirs et je pense que vous aussi. Par exemple, à Paris, où nous étions partis tous les trois, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. On a passé des super moments aussi en vacances, en camping-car, tous ensemble. Sur ces mots, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et de m'avoir écouté, et je vous souhaite un beau culte. Eh bien, cher Antonin, cher Célestin, vous avez franchi une nouvelle étape dans votre vie. Vous continuez votre route avec Dieu. Sa maison vous est toujours ouverte, vous y êtes les bienvenus. Et vous tous, frères et sœurs, veillez à ce que Antonin et Célestin, comme toute personne, puissent trouver auprès de nous cette aide stimulante, cette affection sincère dont ils ont besoin. Prions pour Antonin et Célestin. Soyons tous ensemble pour eux des témoins du Christ, libre, authentique et joyeux. Ensemble, nous chantons avant de lire les Écritures et ce sera un chant accompagné par Sandra, la maman des confirmants, à la guitare. Donc, accrochez-vous. Enfin, ou pas.
précise qu'il y a aussi des filleuls à moi aujourd'hui, y compris le fils de celle qui m'a appris à faire de la guitare, Simon. Et puis une marraine, Eva, petite dédicace de sa jeunesse aussi. Eva qui m'a connue guitariste toute jeune. Voilà. Dieu mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Merci à Sandra. Ouvrons ensemble les Écritures. Nous allons, pour ce 16e dimanche, affronter un long chapitre dans l'Évangile selon Jean en écoutant juste quelques extraits qui nous seront lus par les deux autres paramarraines d'Antonin et de Célestin. Je vous invite à vous approcher. Il y avait un homme malade. Enlevez peut-être le masque pour qu'on entende mieux. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Mathilde. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup d'habitants de la Judée étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Le tombeau était une grotte dont la pierre recouvrait l'entrée. Jésus dit alors : Enlevez cette pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit : Seigneur, il doit déjà sentir. Il y a en effet 4 jours. Mais Jésus lui répondit : Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? On ôta donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux et dit : Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte : Lazare, sors ! Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens : Déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce que c'est, chers amis, que d'être vivant ? Qu'est-ce que c'est la vraie vie ? C'est la question ultime, la question qui nous pousse parfois vers une forme de modération dans la vie, vers le recueillement, et parfois vers la démesure. C'est la question, je le crains bien, qui taraude les adolescents quand ils se testent eux-mêmes et puis leur entourage, en ayant parfois des conduites à risque, quand ils s'interrogent en tout cas sur leur avenir. Et c'est la question aussi que souvent nous n'avons plus le temps de nous poser, y compris parfois parce que nous arrivons à nous arranger pour être suroccupés, justement pour ne pas avoir à poser cette question. Mais il arrive alors que cette question se venge, d'une certaine façon, en nous sautant à la figure au détour de tel échec, de tel accident de route, accident de la vie, de tel deuil ou de telle séparation. Qu'est-ce donc être vivant, vraiment ? Mettons-nous à la recherche selon ce questionnement formulé par Laurent Schlumberger. Ce récit dans l'Évangile selon Jean, que nous avons lu et entendu, nous apporte une réponse. Une réponse en une seule phrase, une phrase très simple à comprendre au premier regard, mais une phrase quand même très étonnante par sa force de subversion de ce que nous pensons être la vie et la mort. Donc, qu'est-ce que c'est être vivant, vraiment ?
Le fait même que nous pouvons poser cette question, chers amis, signifie que nous sommes humains. Cette question signe notre humanité. La plante ou, je sais pas, le corail sont aussi des êtres vivants, mais ils ne se posent pas ce genre de questions. L'oiseau ou le mammifère supérieur sont des êtres vivants, mais ils ne se posent pas cette question. Le seul mammifère supérieur qui se pose ces questions, du moins de temps à autre, c'est l'être humain. Car pour nous, le fait d'être vivant ne va pas de soi, chers amis. Nous avons cette capacité à vivre et en même temps à nous regarder vivre. Non seulement nous vivons, nous sommes des organismes complexes qui interagissent avec leur environnement, mais aussi, comme on dit, nous existons. Nous avons ce pouvoir de nous tenir en dehors de nous-mêmes, d'exister, d'être observateur, interprète de notre propre vie, de ce que nous sommes. Nous pouvons faire une chose et nous dire en même temps, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Nous pouvons dire une chose et penser en même temps, mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Il y a toujours, chers amis, un décalage entre le fait de vivre et le fait d'en avoir conscience, ou non d'ailleurs. C'est la parole, vous l'aurez compris, qui est le signe manifeste de ce décalage. Car non seulement nous communiquons, comme tout être vivant, et en particulier aussi tous les animaux, mais nous pouvons parler, et c'est tout à fait autre chose. La parole, c'est la trace de cette distance qu'il y a en nous et qu'il y a de nous à nous-mêmes, je dirais. Je peux dire à moi-même « tu ». Et si vous y réfléchissez, c'est en effet une chose étrange, vraiment étrange. Parce que toujours, nous sommes dans cette espèce de dédoublement de nous-mêmes. Nous ne coïncidons pas exactement à nous-mêmes. Et nous pouvons nous y perdre. Alors c'est un cas pour la psychiatrie. Nous avons parfois l'impression d'être morts en vivant. Et cette faille à laquelle nous ne pouvons pas échapper, elle est le signe, justement, de notre humanité, chers amis. Dans ce chapitre de l'Évangile selon Jean, par toute une série de petites touches et sous la forme d'un récit, étrange, l'auteur nous donne à saisir ce qui fait l'humanité de l'humain. Il décline, il déploie l'humain dans toutes ces dimensions, comme pour dire ici, ce dont il s'agit, c'est de l'humanité, dans toute son épaisseur, dans ce qu'elle a de plus pourrissant, de plus élevé, de plus périssable, de plus spirituel. Tout cela mêlé, inextricablement incorporé en chacun, en chacune de nous. Dans ce récit, on est aux prises avec la pâte humaine, la plus concrète, la plus universelle, la plus quotidienne. Or, qui est le plus humain de tous ces humains que le récit met en scène ? C'est Jésus. Les sens qui sont sollicités, ce sont d'abord les siens. Les émotions qui sont évoquées sont d'abord les siennes. Le dialogue théologique, il le mène, lui, avec ses disciples, avec Marthe, avec son père. Et jusqu'à sa mort, bien sûr, sa mort et son tombeau ici annoncés, qui signent l'humanité de Jésus de manière définitive. Celui qui est humain
jusqu'au bout des ongles. C'est Jésus. Et celui qui habite le plus totalement notre humanité, c'est encore Jésus. Chers amis, l'humain par excellence, c'est Jésus. Voilà ce que ce récit veut élaborer, veut mettre en scène pour nous, pour ses lecteurs. Nous, lecteurs qui sommes aussi humains, lecteurs qui lui aussi a des sens, des émotions, des débats, des questions. Un humain qui lui aussi se sait mortel, se sait destiné au tombeau. Donc un humain vraiment en repos, toujours un peu étranger à lui-même, au monde, toujours en train de s'interroger. Un humain qui se demande parfois, mais qu'est-ce que c'est être vivant, vraiment ? Ce que l'évangéliste Jean dépeint alors dans son récit, c'est l'humanité de tous les humains. Notre humanité existentielle, notre humanité quotidienne, nos corps, nos émotions, nos réflexions. Et l'évangéliste vient planter Jésus en plein cœur de cette humanité, au milieu de personnages, au milieu de ses lecteurs, jusque et y compris à proximité de ce tombeau qui est notre tombeau, frères et sœurs. C'est là que Jésus vient, de plein pied avec ses personnages, de plein pied avec nous, ses lecteurs, avec notre question. Qu'est-ce que c'est être vraiment vivant. Et c'est là que Jésus donne cette réponse toute simple, que j'abrège encore un peu. La résurrection, c'est moi. La vie, c'est moi, dit-il. Voilà cette phrase, si simple à comprendre d'apparence, mais si subversive à entendre. La résurrection, dit Jésus, c'est moi. La vie, c'est moi. Il ne donne pas un cours en trois parties et trois sous-parties. Il ne livre pas une formule ésotérique à ruminer comme le premier maître spirituel venu. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous, nous nous demandons ce que c'est que d'être vivant, vraiment. Jésus, lui, il se donne à rencontrer, il s'ajuste à nous, humains. Il nous dit, la vraie vie, c'est moi. La vraie vie, c'est donc rencontrer Jésus. Vivre vraiment, c'est rencontrer Jésus. Et cette rencontre n'est pas pour ailleurs, et n'est pas pour plus tard, et n'est pas pour quand on aura les bons sentiments religieux, quand on aura enfin trouvé des mots justes. Au contraire, chers amis, c'est dans nos décalages, dans nos approximations de vie, dans nos tâtonnements, qui à la fois signent notre humanité et qui nous déchirent, il faut le reconnaître. C'est là que Jésus vient. C'est là que Jésus fait entrer cette éternité. Et puisque c'est lui qui vient, vous l'aurez compris, il est en fait plus juste de dire la vraie vie, ce n'est pas rencontrer Jésus, mais c'est être rencontré par Jésus. Vivre vraiment, c'est être trouvé, être rencontré par Jésus. Quand bien même donc tu serais déjà comme au tombeau, dans une vie de peine, il t'appelle aujourd'hui comme tu es et là où tu en es, à la face de ta mort, quel qu'en soit le visage, y compris lorsqu'elle s'insinue au cœur même de ta vie. Aujourd'hui, Jésus crie,
sors. Pour lui, tu es vivant. Tu es vraiment vivant. Car lui, il est ta résurrection. Il est ta vie. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession avec les paroles de prière de notre union d'Église protestante en Alsace et en Lorraine. Seigneur Jésus, tu as dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous te rendons grâce. Par toi, ce chemin conduit vers le Père. Par toi, la vérité bouleverse notre existence. Par toi, la vie et déjà éternel. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas ce chemin, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, pour ceux que ton nom laisse indifférents. Accorde-nous d'être parmi eux des témoins de ta parole, des instruments de paix, des messagers de ton amour. Tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous te rendons grâce,
tu es au milieu de nous. Ta présence fonde notre communion, elle remplit notre vie. Aussi nous te prions pour celles et ceux qui cherchent, qui doutent, qui ignorent que tu es avec eux. Seigneur Jésus, tu nous accompagnes sur le chemin de notre vie. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous voulons chanter « Jésus, ton nom est le plus beau ». Ouvrir les livres de culte pour suivre. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu pour servir et non pas pour être servi. Jésus-Christ nous libère de notre désir d'exister par nous-mêmes ou en fonction des autres. Avec lui, nous n'avons pas à chercher l'assurance de nos valeurs. Grâce à sa présence, nous ne sommes plus le centre de nous-mêmes. Il donne à notre vie une dignité, une
Jésus-Christ a vécu de la parole du Père. Sa présence est créatrice et elle nous fait grandir dans notre humanité. Sa présence ne contraint personne. Elle construit des relations de confiance. Chantons le Dieu trois fois saint. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni. Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, la donna à ses disciples en disant : « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Envoie ton Saint-Esprit sur nous et sur ce pain et sur ce vin, afin que nous ayons part à la communion au corps et au sang du Christ. Qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous donne la joie de ton royaume. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous te disons : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, ce pain que nous rompons est la communion au corps du Christ et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Christ. Chantons ensemble, Seigneur Jésus, par ton esprit. Tu es le pain, tu es la vie, tu es...
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Ensemble, prions. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour le repas de la Pâque, il nous invite maintenant à sa table. Nous pouvons fermer un grand cercle tout autour de l'Église où chacun trouvera sa place, chacun sera au premier rang. Tous sont invités, petits ou grands, jeunes ou sages de quelque confession chrétienne que ce soit. Et les personnes qui ne souhaitent pas recevoir les éléments sont aussi invitées à venir dans le cercle en faisant alors un geste de la main pour communier par la joie de leur présence. Nous avons préparé ce repas et c'est bien le Christ lui-même qui nous y invite. Tout est entre ses mains. Venez, car tout est prêt.
Ensemble, nous voulons chanter à la gloire du ressuscité. C'est parce que tu es venu à notre rencontre que nous vivons vraiment. Amen. Je vous invite à rejoindre vos places. Et nous allons écouter un des deux confirmants, Célestin, s'exprimer autrement que par la parole. Ensemble, nous voulons répondre aussi à cette parole-là, à la parole que nous avons reçue, la parole de vie, en disant ensemble la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Dans la communion des chrétiens, de tout lieu, de tout temps, de toute confession, ensemble, nous pouvons dire « Je crois en un Dieu Père » dont la parole soutient la vie des hommes
et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Je pense que nous pouvons reprendre place encore pour le dernier chant, qui est aussi une action de grâce. Amazing Grace, how sweet the sound. Je vous propose de chanter quand même une strophe en anglais, et puis la première et la quatrième en français. Seigneur, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. Reprenons place pour le postlude et quelques annonces.
Sayaka. Merci à Anne-Catherine qui nous a accompagnés au chant, à Polo qui s'est occupé de la retransmission en direct. Vous savez que vous pouvez sur temple9.org aussi regarder la rediffusion de ce culte. Je termine avec quelques courtes annonces. Donc justement, si vous avez été subjugué par les arts organistiques de Sayaka, cet après-midi, dans le cadre des Journées du patrimoine, il y a des visites que Gilles Holtz propose entre 14h et 16h30, donc avec le droit d'entrer dans la boîte. Donc je vous préviens, c'est assez rare quand même que l'on puisse y aller. À 17h, aussi une visite de l'exposition du collectif des individus, exposition intitulée « L'autre ». Ce soir, la première édition d'un atelier Zoom tout à fait nouveau qui s'appelle « À parole rompue ». Si vous avez envie à 20h de revenir sur la question de la prédication « Qu'est-ce que c'est que d'être vivant ?», eh bien, c'est une invitation très simple de prendre votre téléphone ou votre ordinateur pour vous connecter par Zoom. Les indications sont dans le bulletin et donc de parler avec moi, avec ceux qui se connectent de la prédication du jour. Dans cette semaine, nous avons quelques manifestations intéressantes. D'abord, bien sûr, mercredi, notre atelier psaume et yoga avec Larlise Altchou à 12h30 ici dans l'église, entrée par l'oratoire. Et puis, le mercredi soir, une conférence sur le livre « La Bible des hommes ». Donc, il y a un point entre « Bible » et « des hommes ». Un livre qui a été édité par Elisabeth Parmentier, Strasbourg-Genève. Et c'est pourquoi j'avais annoncé qu'elle serait elle-même présente. Mais en fait, il y a deux personnes qui se feront porte-parole d'Elisabeth. C'est Joanne Charras et Denis Fricker. Donc, c'est mercredi soir à 18h en collaboration avec la médiathèque protestante, ici au Temple Neuf. Et puis, donc, samedi prochain, le grand rendez-vous de la coopérative alimentaire du Temple Neuf, le Jardin. Nous avons d'abord une commande à livrer. Donc, si vous êtes coopérateur ou pas encore, vous avez jusqu'à mercredi soir pour passer la commande d'automne, de septembre, avec des très bons produits locaux, bio et ainsi de suite. Et surtout, cette journée du 25 sera une journée d'échange, de rencontre avec un grand pique-nique qui s'appelle le pique-nique des délices, avec un programme que vous trouvez dans les invitations, dans le bulletin et à la sortie. Il faut s'inscrire pour le repas, pour participer, et on peut aussi s'inscrire pour préparer le repas. Vous avez toutes les indications sur le site de la coopérative. Et n'hésitez pas donc à venir aussi avec de nouveaux membres, avec de nouvelles personnes qui s'intéressent à cette démarche de manger local, de manger bio et de manger en communauté, j'allais dire. Donc samedi prochain, 25 septembre. Dans la suite de cette journée de la coopérative, il y a un très bon concert que je voudrais vous recommander également à 16h30, une de nos heures musicales, avec les meilleurs cuivres de Rhénanie. Donc c'est tout un orchestre qui se déplace à travers la France. Les cuivres rhénanes, donc issus de différents ensembles de cuivres en Rhénanie, donc autour de Cologne. Et donc c'est un très bon concert, ça sonne bien au Temple Neuf, on l'a déjà expérimenté, samedi prochain à 16h30. Et dimanche prochain, pour terminer, nous aurons notre culte musical, Couleur du son, avec Lisa et Lara Herbès au violoncelle et au piano, et surtout avec l'installation liturgique du conseil presbytéral que nous avons élu au printemps. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une belle fête en famille avec Célestin et Antonin. Merci aussi à Sandra, j'ai oublié de te mentionner tout à l'heure, qui a contribué musicalement au culte, ainsi qu'à Célestin. Bon dimanche à tous.